Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Game Over Quest que on reprend du coup directement sur la 15e mort parce qu'en fait j'ai laissé le jeu tourner un petit peu depuis le dernier épisode là le temps d'aller remplir ma bouteille d'eau et tout comme il n'y avait pas de pause j'ai laissé comme ça et en fait mon mec est mort d'ennui. Donc voilà la petite mort de merde, sac à dos. On est mort d'ennui, donc du coup on reprend comme ça en beauté. C'est nickel. Donc oui, du coup, j'enchaîne cet épisode-là parce que je suis pas là cette semaine. Donc comme ça, je vous fais quelques petits épisodes pour remplir les trous de la semaine. Ça fait plaisir. Et donc du coup, la dernière fois, on avait exploré un peu par là. Je sais pas si on est allé jusqu'au bout. Si on est allé jusqu'au bout, ici, on peut pas y aller. Cette plante a bougé. Est-ce qu'elle fait des trucs cette plante? Est-ce qu'on peut se noyer dans la mer? Non. Donc le sanglier. On avait fait... On va descendre un peu... Le piaf, il s'envole. Toi t'es qui? Tu devrais faire attention, les crabes sont très agressifs, ils pourraient te blesser. Ok, ouais, ça on a vu aussi. Faut parler aux gens, il y avait quand même des indices intéressants. Tiens, il y a un truc là. Oh merde, il y avait une plante devant. Ils les ont placés vraiment... Vraiment pour te faire passer dessus contre les trous qui te bloquent le chemin, les plantes sur le juste pile poil là où il faut pas. C'est la violence, c'est la violence. Après, côté de ça, il y a des morts qui sont difficiles à trouver. Franchement, le jeu mort d'ennui, j'hallucinais quoi. Le crâne, on marche pas dessus. Mais non, mais j'ai pas marché dessus là. Pourquoi? Pourquoi? Allez, on y va. Cette fois. On fait gaffe. Je sais pas pourquoi je peux pas avancer là. Alors, donc on esquive ce crabe là, on esquive la plante. Voilà, alors t'es quoi toi? Pour découvrir un écho du passé échoué. Ok. Que se passe-t-il ici? Pourquoi le vaisseau se coûte-t-il autant? Nous avons déjà traversé des tempêtes bien pires. Madame, nous avons un problème. Nos instruments dysfonctionnent. Contactez les autres aéronefs au lieu de vous tourner les pouces, sinon je vous les fais arracher. Très bien. Madame Ria. Quoi? Toute la flotte est touchée par la même avarie. Nos engins semblent avoir un défaut de fabrication. Alerte! Alerte! Dangereuse perte d'altitude! Comment est-ce possible? La générale Zephyra a fait remplacer l'entièreté de notre escadron par cette dernière génération. Ah, visiblement la dernière génération. Ah, une petite couille. Maudit soit-elle! Redressez le cap! Un pouce! Boum. Ok, donc... Je sais pas trop quel contexte, mais visiblement on a des souvenirs, ok, très bien. T'es quoi toi? Hey, listen, ravi. Oh non, pas ravi, putain. Bizarre cette créature. Ah, ah non. Le truc, c'est Navi comme dans Zelda qui fait trop chier le monde là. Hey, listen, hey, watch out, tais-toi. Ah, j'espère qu'elle va nous lâcher, sinon faut qu'on meure. Est-ce que je peux regarder dans cette souche vide? Ah non, c'est bon, elle nous a lâché. Parfait. Ok, bon, bah, je crois qu'on a fait le tour. Il faut qu'on aille voir du coup ce trou là. Voulez-vous descendre? Oui. Est-ce qu'on meurt en descendant? Ok, non, on ne meurt pas. Parfait. Alors ici, on a des ossements. Lui, il ne sera pas dans le Game Over Quest du coup, putain. Ah, les enfoirés. Alors ici on a un gros champi, je préfère ne pas goûter ces champignons. Ah mais t'es pas joueur machin, là on marche dessus ça fait rien. Est-ce qu'on peut sauter dans l'eau? Non. Ah bordel. Oui, en même temps c'est pas illogique hein, des trous dans la caverne. Déjà qu'il y en a partout en temps normal, alors dans une caverne on peut s'attendre à trouver des trous. Alors, on va essayer de faire attention au trou. Donc on va regarder... Ah ok, c'est pas une ombre cette fois, c'est une espèce de petite cassure là. Donc on va faire attention. Ça fait rien. Boire l'eau de ce bassin régénère votre santé, votre mana. Dommage que ce soit inutile dans ce monde. Effectivement, c'est triste. Alors les cristaux... Ouh, ça brille. Ah, c'est tout. Ok, bon, juste il brille, d'accord. Les petits aussi. Les petits aussi. T'es quoi, toi? Monsieur Sacapus, j'ai la dalle. T'aurais pas un os à ronger sur toi? Non, désolé. Bah attends, y a des cadavres, là. On va aller chercher les cadavres.
moins 1000 dans mes touches. Alors attention aux trous. Est-ce qu'on peut prendre des os? Là non, et les os de la vache peut-être. Ok, non, on peut pas prendre d'ossements. Donc ça doit pas être ça. Très bien, du coup on va partir par là. Ouh, c'est tout étroit. Où est-ce que ça mène? La vache, il fait tout sombre là sur la droite là. Ça cache un truc? Non, ça cache rien. Alors ici il y a plein de trous. J'ai pas l'impression qu'on puisse passer. Ce qui est dommage, il y a une espèce de petit truc ainsi peut-être là. Il y a une chauve-souris là qui m'a l'air prometteuse là. Tiens, je savais pas qu'il y avait des chauves-souris dans le coin. Squeak, squeak! Oula! Squeaky, squeaky! Mais qu'est-ce que... Squeaky, squeaky! Au secours, à l'aide! Squeaky, miam, miam! Ok, ça c'est fait. Très très bien. La horde de chauves-souris, quoi. Bien, bien, bien. J'ai l'impression qu'il y a de quoi s'amuser dans cette caverne. On a vu, on va faire tout l'épisode dessus. Hop là, oui, on descend. Allez, on est reparti. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de sympa à part les chauves-souris? Donc du coup là on pouvait pas aller plus loin, par contre on peut descendre. Il y a encore des trucs qui brillent. Ouais, dehors il y a des plantes différentes des fois qui ont la même tête, donc on va essayer ces plantes vertes là. Champignons, il y a toujours pas moyen. Non. Hop là, on passe en dessous. Alors il n'y a pas de trou, on y va. Ça c'est quoi ça? Je sais pas. Ici. Ah, il y a l'air d'avoir un truc construit là-bas. On va essayer de voir si on peut y aller. Voilà, il y a un trou, attention. Est-ce que si on monte, il y a des choses? Non. Donc ici, on est la zone d'eau qu'on voyait tout à l'heure. On peut continuer de descendre. C'est très Pokémon cette caverne. Là, il y a un trou sur la droite. Ah, il y a un coffre. Quelque chose brille de l'autre côté, il me faut un moyen de détruire ce mur. Je crois bien qu'il y avait des explosifs au campement, je devrais y retourner. Bah parfait, on va retourner au campement. Hop là, voilà. Retournons au campement. Oui, il y avait le mec avec ses tonneaux là, son tonneau explosif. Est-ce qu'on peut... Nous, notre mémoire normalement ne s'efface pas, hein, donc on devrait pouvoir... Oui, il est tourné de ce son côté là maintenant. Bonjour, je sais que vous aimez faire péter des trucs et j'aurais besoin de vos services. Avec plaisir, que dois-je détruire? La maison de ton rival? Des ruines millénaires à la valeur archéologique inestimable? Ton amour propre? Non, non! Il y a un mur fissuré dans les souterrains avec quelque chose qui brille derrière, je souhaiterais voir ce que c'est. On se retrouve là-bas! Cool. Cool, cool, cool. Allons voir ça. Ce qui va nous faire exploser la caverne sur la tronche. Moi je dis, il y a moyen. Alors du coup c'était là, ensuite fallait monter, après fallait descendre, fallait prendre l'escalier ici, fallait par là, donc attention il y a un trou, ici pareil attention il y a un trou, et on est là, voilà parfait. Alors, attention ça va péter, wouhou, et voilà le travail, ça nous a même pas tué. J'adore quand ça fait boum! Voulez-vous entrer? Oui! Bah oui, oui, complètement. Ce coffre brille de mille feux! Il doit renfermer de nombreuses richesses! Bien sûr, on l'ouvre! Oh la vache, les dents! Ah! Ok. On s'est fait bouffer par le coffre! Sérieux! Ok, très très bien! Bon bah voilà, ça t'apprendra à être vénal, moi, puisque pour l'instant t'as toujours pas de nom. Hop là. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres trucs? Je crois qu'on pouvait encore descendre, hein, donc on va retourner voir. Donc là il y a le trou. Si on peut descendre, donc à droite on a fait, on va aller par là. Voulez-vous entrer? Oui. Ah oui, oui, on va voir. On dirait que quelqu'un vit là. Il y a
une peau de banane. Le fou, oula, ça sent pas bon. Que faites-vous ici? J'explorais les souterrains et j'ai vu une lumière à l'intérieur. Dehors! J'ai dit sortir! Pourquoi vous me frappez avec une cuillère? Le mec il me frappe avec une cuillère. Alors avant qu'il nous tue avec sa cuillère, est-ce qu'éventuellement on peut explorer des trucs, genre aller par là? Non, j'ai pas l'impression. Hein. Oust! Aïe, ça fait mal! Tu commences à m'énerver, je vais t'apprendre à entrer chez les gens sans permission. Viens ici, scélérat, mécréant! Ah, pas la cuillère! La musique! Ok. Qu'est-ce que c'est que cette mort? Ennui, un shampoing décapant. Je vois pas lequel c'était, je vois pas quelle mort c'était. Il me manque une référence. Peut-être ça va vieille branche, non, ça va éranger. 4 fois c'est la branche qui tombe. Ils en boîte, banane, crabe coupant. Vous ne passerez pas. Ah, ça doit être ça, vous ne passerez pas. Bah non, une cuillère. Il me manque la référence là. Enfin, vous ne passerez pas, je l'ai, mais la cuillère, ça ne me dit rien. Vous me direz dans les commentaires si jamais vous savez quelle est la référence, parce que ce jeu est blindé de références, bien sûr. Et j'en connais quand même pas mal, mais il m'en manque. Hein. Hop là, oula, on se détend. Hop, on va par ici. Donc du coup, là, on était rentré, mais on pouvait continuer plus loin, donc on va essayer de continuer plus loin. Ah, un autre trou. Ce terrier plus le chien mouillé. Ah bah ça va être le terrier de Monsieur Sacapuce en haut là. On peut rien en faire. Non, on peut rien en faire. Là y'a rien. Dans les vides non plus. Ok, très bien. On a fait le tour de ce côté là, parfait. Alors, on va pouvoir partir par ici, mais j'ai l'impression que ça mène pas beaucoup plus loin. Non, on peut pas aller par là. Bon bah très bien, on va pouvoir monter alors. Non, pas par là, par ici. Alors oui, est-ce qu'on lui dit ouais, j'ai trouvé le trou et tout machin où t'habites, blablabla. Je rentrerai bien manger chez moi, mais ma femme va encore grogner. Bon, on a déjà essayé de lui donner des os, ça marche pas. Il y a encore un truc de flotte à mana là, mais on peut pas y aller. Ah, il y a un souvenir ici. Découvrir un écho du passé. Oula, vous ne pouvez rien face à ma colère. Maître, qu'allons-nous faire? Le vieux smiley. Je ne vais pas avoir le choix. Que la terre t'engloutisse, que les éléments t'enchaînent, que ma vie te scelle. Oula. Non. Deux points D. Visage triste. Maître. Ok, donc visiblement on a un dragon qui a été tué par un mage. Ici y'a rien. Part du noir. Celui-là il est différent des autres, non, il fait rien de particulier non plus. Ça brille. Ok, alors du coup on va partir par là. Alors ça c'est encore un truc à mana. Ah, ici on sent bien qu'il y a un truc bien derrière les pièges. Alors, on peut pas aller par là. Ok, donc faut qu'on évite les pièges. C'est parti. Hop, alors il y a une porte. Qui est là? Moi? Non, puisque je suis à l'intérieur. C'est vous qui êtes à l'intérieur. Je ne suis pas vous, je suis moi. Non, moi je suis devant votre porte. Ce n'est pas votre porte, c'est ma porte. Arrêtez de m'embrouiller. Occupé. Ah, c'est des toilettes. Ok, très bien. Peut-être qu'il me manque un truc pour que ça aille plus loin. Ça me fait penser à une référence de Boulet Corp. Avec gros quand il dessinait donjon. Alors, du coup, par ici, attention au trou, il y a un trou là. À droite, il y a un arbre que dalle. Ah, il y a un machin là, à qui on a filé les ossements. Je suis si proche! Pourquoi se fermer? Un ancien sorcier a scellé quelque chose de l'autre côté auquel je souhaite accéder. Un trésor, des montagnes d'or et du bijou? C'est ça, si tu m'aides à désactiver cette protection, je t'offrirai une part du butin qu'en dis-tu. Alors c'est lui où je me disais qu'on pouvait refuser, voir s'il nous tuait tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure, la dernière fois quand on lui a donné les ossements, dans le premier épisode.
Dommage, tu aurais pu devenir riche. Ça sent l'arnaque, hein, parce que le mage qui a enfermé le dragon qu'on a vu dans l'écho du passé, là. Ouais, on va le faire. Donc voilà le topo. Le sceau est protégé par une sorte d'énigme, mais j'ai beau me creuser les méninges, je n'y comprends rien. En clair, c'est à moi de faire tout le boulot, quoi. En torturant quelques hérétiques, j'ai réussi à obtenir le mystérieux poème suivant. La forêt idyllique était belle et fertile, mais un jour le matin vit son éclat jaillir. Les cieux furent embrasés par les flammes terribles, qu'aucune pluie en une vie n'aurait pu adoucir. Il fallut que le monde arrivât à son couchant pour que le vent du nord le renvoyât au néant. Ok. Il y a la clé de l'énigme, mais je n'arrive pas à le comprendre. On ne nous apprend pas la réflexion à la Sainte École du Grand Schlob. Bon, alors, jusqu'ici. Donc le cristal devient chaud, ensuite c'était la lumière du matin. Ah merde, c'est pas ça. Attends, reprenons. Mais un jour le matin vit son éclat jaillir. Les cieux furent embrasés par des flammes terribles, donc ce sera le rouge. Quand qu'une pluie en une vie n'aurait pu adoucir, ce sera le bleu. Il a fallu que le monde arrivât à son couchant pour que le vent du nord le renvoyât au néant. Ah, mais oui. Mais oui, oui, bien sûr. Le soleil se lève à l'est. Après, il y a eu un incendie. Bordel. Que la pluie n'arrivait pas à éteindre. Ensuite, on a eu le couchant à l'ouest. Et le vent du nord. Wow, est-ce que c'est moi qui ai fait ça? Bravo, à tout l'honneur, je dois finir quelques préparatifs avant d'entrer. Bon bah, allons voir à l'intérieur. Ça pue l'arnaque, t'es sûr que tu veux pas y aller devant? Vas-y, ne m'attends pas. Ok. Toi, petit humain, tu es venu pour me libérer? On m'avait parlé d'un trésor, pas d'un dragon. Il n'y a jamais eu la moindre pièce d'or ici. Celui qui t'a dit ça t'a bien eu. Je ne vais pas m'en plaindre. Grâce à ça, je suis libre. Plus pour longtemps, monstre. Ça pue l'arnaque en même temps. Je vais m'emparer de tes pouvoirs et utiliser tes flammes pour réduire en cendres tous les païens. Le feu purificateur embrasera le monde. Seuls les enfants du grand Schlob régneront. Tu m'as l'air bien présomptueux, petit chevalier. Si j'étais enfermé, ce n'est pas pour rien. Fais face à la colère de Smug, le dragon dévastateur. Smug. Oula. La relique que ce jeune homme m'a confiée sont les os de celui qui t'a autrefois scellé. Son pouvoir, le mien, vont te renvoyer à ta forme originelle. Quoi ? Je crois que j'aurais pas dû lui passer cet objet. On va baisser un peu le son parce que c'est un peu la violence. Tu vas pouvoir être le premier à goûter aux flammes de la rédemption. Putain, il s'est transformé en mug quoi. Mais que croyais-tu? Que j'allais te laisser partir? Je te tue et le grand Schlob fait le tri. Ok, il va essayer de me buter. Il ne doit pas s'emparer de la tasse. On a ramassé le mug. Smug le mug quoi. Tu oses te poser à moi? Qu'il en soit ainsi. Tu as choisi ton camp, hérétique. Ok, Ah d'accord, on comprend bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec notre petit mug là? Aïe, putain, il me fait mal. Ah, je pensais éventuellement lui renvoyer le truc, mais là, j'ai mis un coup de mug dans la tronche et ça n'a rien fait. Seulement que je l'évite, quoi. On dirait qu'il attaque du coup de mug. Tu cours vite pour un mécréant. Je sens mes forces revenir. Prends ça. Ah, très bien. C'est tout. Il en faudra plus pour me vaincre. Retourne dans ta tasse. Ma puissance m'abandonne à nouveau. Smug ? Smug ! Ok, il commence à s'énerver là. Merde, j'ai touché les barrières, je crois. Je suis mort. Ah, je suis mort et le jeu a planté. Drame. Burdel. C'est pas grave, on relance. Ça démarre vite. Oula.
mais j'ai l'impression que... Ouais, d'accord, ok, donc on va arrêter là parce que j'ai l'impression que ça part en sucette sur l'enregistrement, je suis désolé. On s'arrête là et on se retrouve tout de suite, je pense, pour retenter le boss, ça tout de suite. Ok, on se retrouve donc juste au début du boss. Bon, le jeu avait effectivement crashé, donc du coup j'ai dû reprendre la dernière sauvegarde, c'est-à-dire la dernière mort. Du coup j'ai refait vite fait l'énigme et tout, et on est donc parti. On va même pas trop se coller au bord parce que ça pique. Donc il faut qu'on esquive le mec jusqu'à ce qu'on ait réussi à le tuer, hein, simplement. Assez classique. Donc là ça fait laguer mon PC, c'est la violence. Je pense qu'on tient plutôt le bon bout là, on se met au milieu. Parfait, donc la première phase c'est fait. Après, je suis con parce que si je veux gagner une mort, il faut que je meure. Donc on va se laisser mourir une fois parce que du coup ma mort on n'a pas compté, je pense. On va se laisser crever. Faire une mort. Voilà. Ouais, voilà, 19 morts. Maintenant qu'on est mort, on va essayer de se le faire sérieusement. Il faut que je me dépêche d'y retourner. Ah oui, je me suis dit je vais devoir me taper la main, mais non, c'est bon. On est reparti. Très bien, on va essayer de prendre le pied comme ça, voilà. Ensuite, il nous fait ça, on remonte. Ensuite on redescend avant qu'il arrive. Ensuite on remonte. On descend avec notre petit mug. Smug. Oula, c'est déjà cette fois, ça nous a chopé les cheveux. Hop là. Nickel. Alors, tu cours vite pour un mec créant, donc ça on l'a vu. Hop. Mets un petit. Un petit coup, bon, deux ou trois coups comme ça, ça devrait suffire. Enfin, en plus de suffire. Oula. On va se refaire la même strat. Hop, voilà. Ça va vraiment d'un côté. Oula. Nickel. Respire bruyamment. Tes tours de magie ne pourront pas me retenir indéfiniment. Boum. Ah, ça l'a bien buté. Vous me fatiguez. Oula. Vas-y. Ah putain, la vache. Faut vraiment que je m'arrête pas quand tu fais ça, parce que même si je passe un tout petit peu au-dessus de lui. Ah! Oh, vache! D'accord, ça commence à être le drame. Hein. Putain! Non! Pourquoi tant de haine? Merde! Bien violent. Merde, ça en a sauté partout. Faut courir. C'est sûr que ça fait pas très badass, hein, je vous l'accorde. On n'a pas encore le petit bouclier en bois et l'épée de la cinématique. Là. Respire difficilement. Pose-moi, éloigne-toi vite. Disparais, misérable bourreau. Oui, il est mort. Il reste un petit jauge de vie. Il est mort. Non, il a l'air d'être mort. Merci pour l'aide. Comment t'appelles-tu? Moi. Ah, on s'appelle vraiment moi. Très bien. Smug, c'est ça? Oui. Qu'est-ce que tu faisais enfermé ici? C'est une longue histoire. J'ai peut-être un peu réduit la forêt fantastique en cendres il y a plus d'un siècle. Pour ma défense, je n'étais pas dans mon état normal. Mais enfin, c'est du passé. Je jure de ne plus jamais recommencer. Ce monde est bien étrange. J'ai une dette envers toi. Que veux-tu? Je suis à la recherche d'un vieillard qui m'a jeté une malédiction.
Je sais comment te venir en aide. Commençons par sortir d'ici. Tu ne passeras jamais par là où je suis rentré. On va trouver une autre solution. Yeah, désolé. Hey, Patouche. Ils sont à moi. Merde, il s'est barré avec les eaux magiques. J'espère que j'en aurai pas besoin. On y va? Oui. Ok, alors par où on sort? Il y a de la lumière qui vient de là-haut. Je vais pouvoir sortir par là. Ah, c'est le truc qu'on se demandait ce que c'était. Bien, alors je vous laisse voler jusque là-haut et moi je vais remonter par l'échelle, l'autre côté du tunnel. Bouahaha, pourquoi faire un détour? Je t'embarque avec moi. Hein? Mais j'ai peur de l'altitude et le trou là-haut il m'a pas l'air très large en fait. Je sais pas si c'est une bonne idée. Allez, c'est parti, on s'en va là. Oh misère. J'ai heurté le plafond à la tête la première, je sens que je vais m'évanouir. Ok. Wouah, je suis libre, libre. Je te remercie humain, je te suis éternellement redevable. Mon crâne, mon corps. Je commence à avoir trouble et je ne sens plus mes bras ni mes jambes. Il me tarde de retourner dans ma contrée natale, je sais, pour te remercier. Tu pourras utiliser mon dos pour te rendre à Brutopia. J'ai très envie de te faire découvrir mon pays. Il n'aura qu'à venir me parler. Je resterai ici à t'attendre. Et chaud l'air. Sympa de sa part, ça me serait peut-être utile si je pouvais encore marcher. Ma tête est si lourde. Eh bien, humain, qu'en dis-tu? Humain? Allons bon, il a perdu connaissance. C'était juste 50 mètres d'épaisseur de roche, pourtant, pas de quoi en faire tout un fromage. Ok, bon, on est à 20 morts, c'est parfait. Oh, une nouvelle relique est disponible. Enfin une nouvelle relique, même si ce sera sans doute étrange, je suis sûr qu'elle me permettra d'avancer dans ma quête comme les précédentes. Alors est-ce qu'ils nous disent des nouveaux trucs? Non, rien de particulier. Donc le dragon est toujours là, bien sûr. Ce reptile ressemble beaucoup à celui qui décrit dans les légendes et qui aurait détruit la forêt fantastique il y a plus d'un siècle, et pourtant il n'a pas l'air agressif. Ne vous inquiétez pas, Smug a promis de rester tranquille. Tu as dit Smug, le fléau a été libéré, au secours! Alors attention à la banane. Je refuse de sortir tant que ce monstre sera là. Ok. Je cherche le patron, il est dans son coffre. Merci pour l'info. Non, putain, je voulais pas boire. On est reparti pour picoler jusqu'à plus soif. Parce que lui il se souvient pas de nous, hein, donc du coup, par contre il se fait plaisir. Ok, donc attention à la banane. Il veut vraiment pas sortir l'autre là? Non, il veut pas. Bon, c'est pas très très grave. De toute façon, il n'y a pas grand chose à faire. Je suis curieux de voir si on peut faire exploser si je lui parle à lui là. Ah oui, non. Et on peut le renvoyer. Est-ce que lui il accepterait de me donner. Vous avez vu la bête là-bas? Ah, un dragon! Qu'il prenne tout mon or mais qu'il ne fasse pas de mal! Prendre un lingot, oui. Cool, on a un lingot d'or, on va pouvoir aller. Donner des pommes, enfin récupérer des pommes là. Parfait, on va faire ça tout de suite avant de mourir et on ira prendre la relique après. Alors, du coup, on esquive la plante, on esquive les branches de l'arbre. Et on parle au gamin. Bonjour, voulez-vous des oranges bien juteuses? Mais oui! Je vends le tonneau entier pour un petit lagon d'or, je te le prends! Parfait, on a un tonneau d'oranges, je sais pas du tout à quoi ça sert, je pensais pouvoir en manger, mais j'imagine qu'il doit y avoir quelqu'un qui nous donne un truc en échange de ses oranges, peut-être? Qui pourrait vouloir un tonneau d'oranges? Elle, peut-être? Après un chevalier et un dragon, on attire de nombreux personnages dans ce campement. Ouais, je te l'accorde. C'est de votre faute si cette créature est libre, n'est-ce pas? Oui, mais il a promis de ne rien détruire. J'espère qu'il tiendra pareil. Il serait dommage que je me retrouve au lieu d'en faire un sac à main. Vous? Oui, moi. C'est pas une flèche celui-là. Ouais, on la sous-estime un peu la mémé, j'ai l'impression.
J'ai pas trouvé son pote à lui. Par là, non, on peut pas faire le tour par là. Bah, j'ai un bocal d'orange, mais je sais pas du tout à quoi il me sert. Peut-être pour lui, là, qui est bourré. Monsieur, bonjour, mon rhum, tu as bu tout mon rhum, mais non, c'est vous qui, moi? Sûrement, je verrai ça plus tard. Non, ok, il se rendort, donc c'est pas ça. Est-ce que le grand schlob là. On peut pas lui filer des oranges, toi tu dis quoi? Brutopia, un si beau désert, la ville à l'est sera ta prochaine destination. Ok, lui c'est le mec mystérieux qui nous guide. Ok, lui il fait un petit effet de lumière. Mais il veut pas notre tonneau d'orange. J'ai pas l'impression qu'il y ait grand monde qui veut notre tonneau d'orange. Est-ce que lui veut notre tonneau d'orange? Je pense pas, j'ai pas envie qu'il m'emmène. Maman! La poule là-haut. Et voilà, parfait. On se faufile en speed. Vous. Warrior, je suis pas d'humeur pour parler avec un mec à l'aérosigné. Tu sais pas où c'est chez nous? Pas vraiment. Je cherche aussi à rentrer chez moi. Dommage, peut-être qu'on se recroisera. J'espère que tu arriveras à retrouver ta maison. Bah oui. Bonjour monsieur. Salut. C'est une belle journée, n'est-ce pas? Oui, si vous le dites. Jeff No, sortez main de ses poches! Oups, je n'avais pas vu qu'elle s'y était glissée. Tu penses que je vais te croire? Ok. Donc, rien avec l'orange. La coiffeuse, je pense qu'elle va rien nous donner de particulier. Elle. Ok, rien de particulier non plus. Bon, bah, je sais pas trop à quoi sert ce tonneau d'orange. Dans le doute, on va essayer de parler au chien. Non. Ils sont bien empilés. Oui, vraiment bien empilés. C'est fou comme ils sont bien empilés. C'est vrai que d'habitude ils crament du coup, donc. Donc lui, il nous parle de son cousin. Ça, on l'avait déjà. En fait, j'ai pas regardé dans les bibliothèques. Top 10 des astuces pour eux, c'est un magasin de brochettes. La 8ème va vous étonner. C'est tellement cadeau. Tous ces livres, sans images, il faut être complètement fou pour lire ça. On peut pas les lire et en mourir? Non, on peut pas. Donc nos oranges ne nous servent à rien avec lui. Bon bah du coup j'ai l'impression qu'il va falloir qu'on sacrifie nos oranges parce que l'épisode va être beaucoup trop long et il faut qu'on meure pour sauvegarder. On va donc glisser malencontreusement sur une peau de banane. Le concept de mourir pour sauvegarder est quand même génial. Et du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu, et on se retrouve du coup très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.